Salut à tous et à toutes, c'est de nouveau Moustique et aujourd'hui je vais vous faire le petit let's play des Sims Histoire de Vie, donc deuxième volet de la saga des Sims Histoire. Donc pour ce jeu, on a encore cette fois-ci deux petits scénarios, donc l'histoire de Michel et l'histoire de Lucas. Et comme dans les autres Sims Histoire, nous avons le mode libre. Donc pareil. Comme dans les précédentes vidéos, si vous voulez jouer au mode libre, faites avant les scénars, comme ça vous aurez les objets débloqués. Donc bah on est parti, donc on va jouer avec Michel Mabel aujourd'hui. Donc non, pas didacticiel. Donc les Sims Histoire de Vie, en fait, c'est le premier volet des Sims Histoire. Je vais pas commencer dans l'ordre de mes let's play parce que voilà, j'avais envie. Donc c'est pareil, c'est un dérivé des Sims 2 avec le même moteur de jeu en fait. Et c'est comme comme les autres jeux de la trilogie, il fonctionne sur PC portable en fait, il est optimisé pour les PC portables. Donc c'est pour ça que les temps de chargement sont assez longs et que les graphismes sont plutôt pas mal. Donc nous voici dans l'histoire de Michel. Donc il y a une petite brève sur son histoire et puis comment jouer, mais bon ça on va passer parce que on en a pas besoin. Hop, donc voici Michel. Donc dans les Sims Histoire, le mode de jeu est quasiment le même que celui des Sims 2. La petite différence que là il y a toujours le petit objectif. Donc c'est ce qui fait avancer l'histoire. Donc voilà, donc là il y a un petit rappel de l'histoire que nous allons faire. Donc là voilà, il faut enlacer Tantivette, qui a un super nom d'ailleurs. Elle est pas si vieille que ça quand même. Donc Michel Mabel, c'est peut-être un petit clin d'œil aux Beatles, je sais pas. Ah, bah c'est cool, on emménage la tante qui se barre déjà, c'est sympa. Elle croit qu'elle était heureuse de nous voir, quoi. Donc voilà, l'interface, super facile. Les boutons, je vous dis, c'est exactement le même que les Sims 2. Qu'est-ce qu'elle veut, la dame? Elle veut manger. Donc voilà, vous avez les besoins qui sont là, vous avez les barres de... Enfin, c'est exactement le même que sur les Sims 2 pour ceux qui connaissent. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, vous le découvrez. Et donc, le petit avantage des Sims Histoire, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les petites récompenses à gagner pour après pouvoir jouer dans le mode libre. Si vous ne faites pas les scénars avant, dans le mode libre, vous pouvez créer un Sims, mais il n'aura pas ces objets-là en fait. Bon, je sais pas si c'est... Ouais, c'est la télé peut-être. Je sais pas si c'est des objets vraiment indispensables, mais bon, voilà. Donc elle va arrêter de danser les âmes, parce que sinon, on va pas avancer dans l'histoire. Donc après, vous vous concentrez soit sur l'objectif, soit sur ses désirs propres, pour débloquer les autres récompenses qui sont, eux, d'aspiration. Donc c'est pareil, les récompenses d'aspiration, c'est exactement les mêmes que ceux des Sims 2. Mais exactement les mêmes, hein. Vous reprenez vos Sims 2 pour ceux qui les ont encore, vous verrez c'est les mêmes. Bon, là, comme elle va être un peu longue, on accélère un petit peu le temps. Hop, on va. Hop. On va lui mettre une petite tenue sympa. Donc en fait, les premiers objectifs, c'est vraiment pour prendre en main son Sims en fait. C'est pas vraiment en rapport avec l'histoire, c'est pour voir comment faire avec son Sims. Donc là, changer d'apparence, voilà.
Donc là, bon, on va lui faire une coupe de cheveux sympa. Donc vous voyez, c'est des coupes de cheveux qu'on... Franchement, c'est tout Sims 2, quoi. Je sais pas comment on pourrait la mettre, notre amie. Oh, comme ça, c'est pas mal. Puis on va la mettre en blonde. Bon, non, on va laisser comme ça, elle vient. Hop. On va lui mettre des lunettes. Ça lui donnera un petit air intelligent. Hop. Voilà. Plus comme ça, elle est contente. Hop. Donc là, voilà. Ça, c'est le temps que l'histoire se passe. Vous avez des petits, veuillez patienter. Donc voilà. À mon avis, il va falloir faire une action avec eux. Donc dans ce Sims-là, vous avez des petits raccourcis. Bon, dans les Sims animaux, il est marqué. Dans celui-là, je vois qu'il n'est pas marqué. Mais après, on les connaît par cœur à force de jouer, quoi. Donc voilà, là on a débloqué le premier objet que je vous parlais tout à l'heure. Regardez où est-ce qu'elle est. Hop. Puis on va l'installer tant qu'à faire. Hop. Donc notre petite cafetière. Ah, je vais trop vite, il aime pas. Voilà. Alors ça c'est le truc. Voilà, quand on va un peu trop vite, il aime pas ça. Voilà, donc notre petite cafetière, elle est là. On va l'installer, hop, là-bas. Voilà. Donc sinon, elle était là. Bon, c'est pareil. Donc là, on va accélérer un petit peu le temps que le nouvel objectif se mette. Donc là, sinon, ça c'est les barres quand on a des amis, en fait, c'est les barres d'influence. Et ça, c'est la barre d'aspiration, donc qui permet de gagner les. Les. Comment on appelle ça? Les cadeaux d'aspiration, tout simplement. Voilà. Donc, ça, donc la barre d'aspiration, voilà, elle, elle veut devenir Nabab, donc c'est la carrière du cinéma. Enfin, divertissement plutôt, ils appellent ça. Bon, pour l'instant, je crois qu'elle travaille pas, la petite dame. Non. C'est bien, elle fait sa vie en fait. Ah, ça y est. Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ok, donc on va améliorer un petit peu notre relation avec Monsieur Polochon. Hop, tu feras ça plus tard. Voilà. Hop. En fait, il faut qu'on fasse jusqu'à ce que on ait normalement la chatouille. Pour l'instant, on l'a pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore assez proche de lui. Donc. Hop, on va aller voir par de relation. Donc on voit que nos Sims, il y a le petit coup de foudre, c'est-à-dire qu'ils pourraient éventuellement sortir ensemble. Mais bon, je pense qu'il va falloir au moins monter jusqu'à Ami. Ouais, parce que là, il n'y a rien du tout. Au pire, on va le traguer, le monsieur. Tant qu'à faire. Ça augmente pas vite notre truc. Ah, jouer. Ça y est. Voilà, chatouille. Hop. Ce qu'il va vouloir aussi. Ouais, c'est bon. Hop. Voilà. Donc là, hop, on va réaccélérer. Pas la peine d'attendre. On regarde un petit peu ce qu'elle a besoin quand même, la petite dame. On va dormir sur notre duel. Ok, pour l'instant il n'y a rien, donc autant qu'elle dorme. Hein.
Voilà, les missions sont un petit peu longues à se mettre quand même. Hein. Elle est pas pressée. Hein. Ouais, c'est ça qui est chiant, c'est que ça met trois plombs. Bon, on va augmenter le truc là, en attendant. Ça sera contente. Putain, je me rappelle pas que c'était si long pour avoir une nouvelle mission, toi. Bon, ce jeu il a déjà 5 ans, mais je veux dire, il vieillit bien, donc c'est pas mal. On s'y retrouve, quoi. Cindy Choqué et Sienna Fortune. Bah, Michel Mabel, ton histoire, pour l'instant, elle est un peu monotone, hein. Il est même très très monotone, mais c'est pour l'instant il se passe pas grand chose. Ah, qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils sont où? C'est normal, en même temps il est 4h du mat. Ah, voilà. Donc le chapitre 1 est fini. Bon, vu qu'il a pas été super long, on va continuer un petit peu la vidéo parce que il s'est pas passé grand chose. Hop. Hop, allez, va dormir. Avec un peu de chance, un nouvel outil va apparaître. Bon, ça va pas, c'est cool. Ah, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Trouver un travail. Donc, les signes pour trouver un travail, ils ont deux solutions. Soit ils lisent le journal, soit ils utilisent l'ordinateur. Bon, là, on va faire simple, on va prendre le journal. Hop. Bah ça tombe bien, elle veut être en haut de la carrière divertissement, donc hop, on accepte. Donc elle ira travailler à 8h demain. Hop. Bon, on va essayer de monter un petit peu son inspiration. Quoique elle a pas trop de thunes, donc pour l'instant elle peut pas faire grand chose. Hop. Allez, on va lui faire faire ses besoins. Hop. Allez, on va lui faire lire ses petits emails. Tac. Alors, nanana. Bah, tant y bête, elle est sympa. Elle est partie, c'est cool. Elle a vraiment très envie de nous voir, dis donc, tant y bête, hein. C'est plaisir. Hop, alors. Ah, inviter Thomas. Alors, pour inviter un Sims, que je me rappelle. Ah oui, c'est dans les Sims 3 que tu peux faire ça et tu peux inviter. Donc là, comme on peut pas, on va prendre le téléphone portable. Ou pas. On prend le téléphone de course et un plus vite. Hop, appeler un Sims. Toc.
Hop, donc on va appeler Thomas Pochon et on l'invite. Bon, il arrive, c'est cool. On accélère un petit peu. Hop. Non, ça c'est pas Thomas ça. Le voilà Thomas. Ah cool, il est venu avec sa pote. Oh bah elle est sympa Michel. Donc normalement deuxième objet débloqué, voilà. La plante verte, ça serait bien. Hop, on va la mettre là. Ah non, merde, ils sont à côté. Je sais pas, on va la mettre sa plante verte, en plus elle est moche. On va mettre là, tiens, ça fera bien, ça fera décor. Du coup, il m'en met deux. Allez, hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut carrément faire du rentre dedans. Super. Bon, on va améliorer un petit peu hein, parce que là, je pense que. Hop, c'est mal barré. Si elle fait ça, elle va se prendre un gros râteau. En plus, je pense qu'elle peut même pas encore. Bon, on va le séduire, le petit polochon. Hein. Non, polon d'ailleurs, ça s'appelle polochon, ça s'appelle polon. Bon, je savais bien pour le chou. Ça fait classe. Alors, pour faire du rendement, je sais plus quelle action faut faire par contre. Là, ce sera dans le draguec. Pour l'instant, il n'y est pas, mais. Un petit massage, tiens, ça devrait le faire succomber, ça. Ah, c'est notre ami, donc normalement, on doit pouvoir. Et ben, perdu. Bon, on va lui faire ça. Voilà, hop. Puis on va rediscuter un peu. Ah, ça y est, on peut. Hop, voilà, donc là, elle est contente, par contre elle, elle est moins. Mais c'est qu'elle se batte. Oh la méchante. On va l'insulter, tiens. Et vas-y, bats-toi. Est-ce qu'ils vont se battre? Elles sont méchantes, hein. Ouais, je crois qu'elle a un petit peu énervé la madame.
Donc ça charge la nouvelle mission. Voilà. Donc là on arrive à la fin du chapitre 2. Ok. Donc je vais rester sur ce chapitre 2 et puis comme ça on fera une prochaine vidéo. Donc je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un excellent visionnage et n'oubliez pas de cliquer sur le lien à la fin de la vidéo. Voilà. Salut, salut, au revoir.